Egunon, buenos días, bonjour, good morning. Tenemos aquí una mesa de autoridades, todas preparadas para presentar oficialmente el proyecto europeo Life Lema en Egoalde. Habrá otra presentación también en Iparralde dentro de unos días. Va a ser una rueda de prensa muy compartida. Contamos con mi diputado, José Ignacio Asensio Basterra, diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, y mi director, Félix Asensio, director general de Medio Ambiente, que, bueno, como coordinadores y líderes del proyecto harán una introducción un poco más general, pero contamos también en la mesa con nosotros otros cinco socios de proyecto, que son Rogelio Pozo Carro, director general de ASTI, que también hará una descripción, Michel Benac, no sé si lo digo bien, alcalde del Ayuntamiento de Biarritz y vicepresidente de la aglomeración Côte-Basse-Adour, Albert Larousset, vicepresidente de Costa Garbia y alcalde de Guétary, Jacques Beal, vicepresidente de Surrider Foundation Europa, y Panchika Otegui Fagoaga, directora de Rivage Protec. Somos los seis socios de este proyecto y ya sin más le cedo la palabra a José Ignacio y bueno, ya iremos de uno en uno, explicando partes. Bueno, bonjour, good morning, egunon, buenos días a todos. Bueno, haré una breve introducción de lo que supone este proyecto para todos los que estamos aquí presentes. Haré una primera parte en euskera, que ya sé que no hay traducción, pero no os preocupéis porque se repetirá lo que diga. Y bueno, dar bienvenida a todos los presentes en la mesa, el alcalde de Guétary, Biarritz, responsables de Surfrider, de ASTI y Panchika. Bueno. Egun guztioi, eta eskerrik asko hemen izateagatik. Gaur egun, beste ekintza batzuekin batera, Gipuzkoako itsas ertzetara eta hondartzetara iristen diren itsas hondakinak bildu eta kudeatzen ditugu. Gure hondartzak integralki kudeatzeko plangintza barruan kokatzen dugu gaurko edo ekintza hauek. Biltzen ditugun itsas hondakinak gizakiak sortutakoak dira, eta itsasoan hondartzetan eta itsas ertzetan utzitakoak. Gehienak material plastikoak izaten dira. Kalkulatzen da, urtean, 400 eta 4000 kilo bitarte zabor iristen direla Europako itsas ertzetara. Kilometro lineal bakoitzeko. Ez da gutxi. Itsasoan dagoen zaborraren 15% iristen da itsas ertzera. Beste 15% ur gainean geratzen da. Eta gainontzeko 70%, itsasoan ondoratzen da. Testu inguru honetan, gaur aurkezten dugu Life Lema proiektuaren barne ur gaineko itsas zaborraren arazoari ekitea erabaki dugu. Ur gaineko itsas zabor hori sarbide zaileko itsas ertzetara iritsi edo ondoratu baino lehen. Life Lema proiektuan Europa Batzordeak 1.200.000 euroko diru laguntza eman du. Proiektuaren kostuaren 160%. Proiektuaren inbertsioa, guztira, 2.160.000 eurokoa da. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 407.000 euro jartzen ditu. Datozen hiru urteetan zehar garatuko da, 2016ko irailetik 2019ko irailera bitartean. Helburu nagusia, ur gaineko itsas zaborra bildu eta kudeatzeko zerbitzu adimentsua ezartzea da, tokiko erakundeak laguntzeko. Zerbitzua Gipuzkoa eta Atlantiar Pirineoko eskualdetan ezarriko da. Bien, como decía, ahora ya, creo que ya vais a tener traducción. Este proyecto, Life Lema, un proyecto interregional, en la colaboración aquí entre Egoalde, Iparralde y determinadas asociaciones como ASTI o Surfrider, supone pues, un reto para todos nosotros, ¿no? Como he dicho antes, el proyecto tiene una subvención del 60% de la Unión Europea. La Unión Europea aportaría 1.200.000 euros. La inversión total del proyecto son 2.160.000. Y en lo que toca a la Diputación Foral de Gipuzkoa, vais a permitir que lo diga, son 407.000 euros.
Brevemente voy a tratar de hacer un resumen de las etapas y los resultados previstos. Empezaré por las etapas. Este proyecto se desarrolla en las siguientes etapas. Se elaborarán modelos meteorológicos oceánicos para predecir los puntos en los que se acumula la basura marina flotante, para facilitar precisamente su recogida. Se utilizarán tecnologías innovadoras para la detección de la basura marina flotante, incluidos radares, cámaras térmicas y mediante uso de drones. También se colocará una barrera flotante para la acumulación de basura marina en la desembocadura del río Deva y la instalación de dos videocámaras en la desembocadura del Adur y del Oria para monitorizar la llegada de basura. Se desarrollará también una herramienta informática para integrar los modelos de detección y predicción de basura marina flotante y para estimar el impacto ambiental y el coste de las acciones de gestión sostenible de la basura a recoger. Esta herramienta, yo diría que es lo más importante, nos proporcionará a las autoridades locales, los aquí presentes, información detallada para la toma de decisiones, lo que nos permitirá identificar y aplicar las mejores medidas de gestión para la situación y época del año correspondiente. Se utilizarán para ello dos barcos pesqueros y tres buques de limpieza para la recogida en el mar y una actividad que creará al menos tres puestos de trabajo. Estas serían las etapas o por lo menos las herramientas que se van a desarrollar y que vamos a contemplar. En cuanto a los resultados previstos, se estima la eliminación al menos de 100 toneladas de basura marina flotante para los tres años que durará el proyecto. Tras el final del proyecto, se prevé que sigamos con una tasa de recogida de un total de 55 toneladas en Francia y 35 toneladas en España. Se prevé que la herramienta informática y los planes de gestión que se desarrollen durante el proyecto se implanten por las autoridades locales. Se prevé también reducir en un 5% el coste actual de recogida y tratamiento de las basuras marinas localizadas en el mar y en las playas. A su vez, se formará a 6 personas, patrones de embarcación y técnicos ambientales, y la creación de 4 nuevos puestos de trabajo. Y, por último, se elaborará una guía metodológica sobre gestión sostenible de la basura marina flotante. Y para terminar, solamente decir que para desarrollar este proyecto, la Diputación Foral de Guipúzcoa cuenta con 5 socios. 5 socios que son imprescindibles y que, sin ellos, este proyecto no puede ver la luz. Que son la Fundación ASTI, Suez Eau France, Surfrider, Fundación Surfrider, el Ayuntamiento de Biarritz y el Sindicato Mixto Costa Garbía, que nos presentarán a continuación las acciones que van a desarrollar dentro del proyecto Life Lema. Y por mi parte, muchas gracias. Es que ricasco. Tiene la palabra ahora Monsieur Benac, alcalde del Ayuntamiento de Biarritz. Oui, monsieur le député. Monsieur le directeur d'ASTI, monsieur le maire de Guétari, cher Albert, mesdames et messieurs, je voudrais dire toute l'importance que j'attache et que la ville de Biarritz attache au programme qui nous réunit aujourd'hui, ce programme de lutte contre les déchets aquatiques flottants. C'est une préoccupation qui est commune à nos cités littorales. Mais il serait vain d'agir chacun dans son coin. Nous l'avons fait à Biarritz. À Biarritz, ça fait une dizaine d'années que nous avons mis en place des dispositifs pour recueillir, capturer les déchets flottants, les macro-déchets flottants, quels qu'ils soient, et avec des distances plus ou moins grandes de la côte. Il faut bien reconnaître que même si nous avons eu quelques succès, nous avons également mesuré les limites d'une aventure individuelle. Donc je pense que, par définition, c'est un sujet sur lequel il faut agir ensemble et il faut exercer une intelligence collective. Et de toute évidence, c'est un sujet qu'il faut traiter à l'échelle transfrontalière et qui exige donc notre coopération.
Je suis très attaché, monsieur le député, à la coopération transfrontalière entre Egoalde et Iparralde, parce que la coopération transfrontalière, c'est un formidable levier de développement pour nous tous. Cette coopération, je l'ai vécue et je la vis au travers de l'Eurocité basque, qui réunit le Guipuscoa et l'agglomération bayonnaise. Je la vis au niveau du groupement européen de coopération transfrontalière Aquitaine-Euskadi-Navarre. C'est dire que j'en mesure, évidemment, toute l'efficacité et toute la nécessité. Elle s'exerce dans tous les domaines, cette coopération, ou elle doit s'exercer dans tous les domaines. Je pense à un domaine qui est un peu éloigné de celui d'aujourd'hui, mais le domaine de la culture, et je me félicite, par exemple, que le ballet Biarritz, le ballet de Thierry Malandin, à l'occasion de l'année où Saint-Sébastien Donosti a été capitaine européen de la culture, il y a des collaborations qui sont faites autour de la danse, et moi, je m'en félicite beaucoup. Mais c'est sans doute dans le domaine de l'environnement en général, et en particulier dans le domaine des stratégies marines, que nous avons le plus de coopération à faire, le plus de sujets de coopération entre nous. Protéger les océans, explorer et exploiter intelligemment et de manière raisonnée les ressources de l'océan, et je sais qu'Asti, sur ces sujets, est très en avance, voilà des choses qui nous rassemblent. Et donc, je suis très heureux de cette, que nous lancions ensemble aujourd'hui ce programme Life Lema, parce qu'il est une illustration de cette nécessité de collaborer sur ces sujets de stratégie marine. Et je souhaite, ma ville s'engage résolument dans ce qu'on pourrait appeler l'économie bleue, résolument dans ce qu'on pourrait appeler la croissance bleue. Je le fais avec la région Aquitaine. Et j'espère que tous ces sujets qui consistent à protéger l'océan, qui consistent à explorer ces formidables ressources indispensables à l'humanité, à l'avenir, eh bien j'espère que ce sujet-là nous conduira à nous rapprocher encore davantage à l'avenir. A continuación tiene la palabra Monsieur Lagusset, vicepresidente de Costa Garbia y alcalde de Guétari. Tenemos la suerte de contar con socios que conocen muy bien este problema y en el caso del señor Lagusset, como alcalde, yo creo que lo conoce de primera mano. Bien. Oui, je suis ici en tant que maire de Guétari, vice-président de Costa Garbia. Bon, et en plus, bon, c'est un peu compliqué chez nous, mais je préside aussi le GIS. Le GIS, c'est uniquement pour essayer d'avoir une plateforme pour collecter toutes les données qui seront après reversées pour les collectivités. Donc, Costa Garbia, je connais bien, parce qu'il y a plus de 20 ans que je m'occupe des déchets flottants. Depuis, je ne sais pas, vous devez vous en souvenir, depuis la falaise de déchets qui s'est écroulée en Galice. Donc, depuis, on travaille avec ça. Donc, pour nous, c'est un problème très important, économique. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur la côte basse, comme partout, comme chez vous, nous faisons d'énormes travaux pour améliorer et pour avoir une bonne qualité d'eau de baignade qui peuvent être ruinés par quelques déchets flottants qui viennent sur la plage. Donc, les touristes ne supportent plus d'avoir ce phénomène-là. Donc, nous avons travaillé depuis plus de 20 ans, comme je le disais, d'une façon très empirique, parce que nous n'avions pas les moyens que va nous donner aujourd'hui l'IFLE, mais nous n'avons pas les moyens d'investiguer beaucoup plus. Donc, nous avons, d'une façon empirique, et petit à petit, alors, il y a eu une époque, une étape très importante pour nous, ça a été l'OREA. L'OREA qui a fait cette grande étude de courantologie qui partait de Bilbao jusqu'à Contis, et donc qui nous a expliqué un petit peu toute l'inversion de ces courants et toute cette courantologie qui est fondamentale si on veut comprendre. Et donc, nous, aujourd'hui, avec cette expérience que l'on a, on pourra contribuer avec les données qu'on a récupérées depuis 2008 au moins,
sur les tonnages ramassés. Alors Costa Garbia a une mission pour ramasser au large de 300 mètres à 3000 au large tous les déchets avec un bateau. Il a fallu pas mal d'années pour essayer de définir le type de bateau qu'il fallait. C'est un petit bateau spécifique avec des filets sur le côté et à l'arrière. Donc les déchets flottants, bon, c'est le projet qui va bien définir un petit peu la façon de travailler avec, mais c'est vraiment complexe et il faut vraiment une approche aujourd'hui beaucoup plus scientifique. Donc comme mon collègue Michel Venac, nous sommes tout à fait contents de nous associer avec vous pour la réussite de ce projet. Et je suis persuadé qu'on va arriver à au moins détecter, au moins à prévenir l'arrivée de ces déchets, qui est quelque chose de très très important pour la vie économique du Côte Basque. Si vous venez sur nos plages aujourd'hui, comme chez les vôtres, hein, si on fait la concha ce matin, on a regardé, il n'y a pas un déchet flottant. Il n'y a pas un morceau de plastique. Après l'inversion, après l'équinoxe du mois de mars, les déchets mai-juin commencent à venir. Et c'est là où les touristes aussi viennent. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, analyser, voir comment ça peut se faire, et évaluer le stock, mais enfin, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, moi je vous remercie, et nous sommes tout à fait partenaires avec vous pour nous associer à cette démarche. Quiero pedir disculpas porque me he saltado en la escaleta a Rogelio Pozo, director general de ASTI, y que tiene la palabra a continuación. Bueno, yo creo que lo importante no es el orden, sino que hablemos todos contando lo que hacemos. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los socios en los que estamos en esta mesa, porque creo que es importante el poner de manifiesto la colaboración y la voluntad de distinto tipo de instituciones o organizaciones en afrontar un problema. Pero también quiero señalar que no es una primera colaboración. Franchica me recordaba que ya hace más de 10 años empezamos con proyectos en los que históricamente hemos ido generando toda una serie de conocimiento de que al final las fronteras las hemos creado nosotros, pero que en la naturaleza no existen. Y que esa colaboración y participación es fundamental para tener buenos resultados. Yo creo que este es otro buen ejemplo de cómo un proyecto piloto, porque podríamos catalogar esto como un proyecto piloto en el que vamos a poner en marcha toda una serie de conocimientos y tecnologías para intentar solucionar un problema que existe, pueda dar lugar a que tras la finalización del proyecto dispongamos de herramientas y las instituciones, especialmente responsables de la gestión, para poder prevenir y actuar contra este grave problema. No es solo un problema visual que afecta al turismo, no solo un problema visual que afecte en consecuencia de ello al coste que supone eliminar ese tipo de basuras, hay también un tipo de problema no cuantificado y grave sobre el ecosistema. Creo que más de uno hemos visto ya fotografías de aves marinas muertas con cantidad de plásticos que han ingerido, mamíferos marinos, peces. No se conoce con precisión el efecto que también tiene este tipo de contaminantes sobre el ecosistema y creo que es importante reducirlo, no solo por los aspectos asociados a la actividad turística y a los costes que supone limpiar este tipo de productos, sino por la responsabilidad que tenemos en mantener un entorno natural saludable. Desde el punto de vista de los alcances del proyecto, el diputado ya ha contado la mayoría de las acciones que va a desarrollar, quizás matizará en concretar algunas de las cosas que ha dicho. Como proyecto piloto lo que vamos a intentar es cubrir todos los aspectos globales de lo que implica la necesidad de afrontar este problema. Una de las partes fundamentales es poder conocer dónde están las basuras una vez que llegan al mar, cómo se derivan, dónde van, para lo cual, a través de tecnologías y conocimientos que tenemos, que ya incluso en su día se utilizaron con el tema del Prestige para conocer la deriva de las manchas del petróleo, vamos a desarrollar modelos que nos van a permitir predecir no solo en tiempo real dónde se van a localizar o mayor concentración de basuras, que tiene una importancia a la hora de gestionar los puntos a los que hay que ir a atacar para recoger eso, sino que además ante situaciones de arribazones fuertes o por tormentas importantes poder identificar cuáles son esos sitios donde podríamos localizarlos. Es decir, modelos que en tiempo real van a poder dar la información más probable donde mayor concentración podemos encontrar. Aparte de los modelos y de los sistemas que nos ayuden a identificar, tenemos que trabajar también con tecnologías que nos ayuden
tanto a vigilar en tiempo real como a prevenir. Se van a utilizar, como ha señalado, tanto cámaras con algoritmos que nos van a poder identificar y cuantificar los arribazones y una estimación de las cantidades, como barreras flotantes para intentar que en aquellos puntos donde se están produciendo mayores avenidas, que suelen ser al final las desembocaduras de los ríos, podamos utilizar sitios donde podamos pararlas y recogerlas de una manera mucho más fácil que en el mar. Siempre es más fácil cuanto antes y más barato. Además, se van a utilizar distinto tipo de tecnologías en barcos que, en el caso concreto de Guipúzcoa, va a recorrer toda la costa de Guipúzcoa, desde Motricón de Arribia y hasta unas 3 millas mar abierto. Y en la época de verano, en la zona de lo que es la playa de la Concha, la Villa de la Concha y sus alrededores, no solo en cuanto a ver qué tecnologías son las más adecuadas para recogerlos, sino una vez que las tenemos recogidas, segregarlas, gestionarlas y, por qué no, valorizarlas. Hay ya iniciativas en las que basuras que pueden ser poliamidas se están reciclando para hacer ropa para deporte. Entonces, el objetivo no solo es retirar, sino buscar una actividad económica que nos permita valorizar este tipo de residuos que estamos en este momento, pues la mayoría de ellos, sin recuperar en el mar. Queremos, consecuencia de todo ello, hacer también un modelo económico, un modelo de impacto económico, y poder demostrar que efectivamente es más barato actuar en el mar, generar pues actividad económica y valorizarla. En el caso concreto de las basuras de flotantes, no tenemos de cuánto supone, una vez que llegan a tierra, la cantidad de residuos que hay que gestionar, pero sí sabemos los datos de cuando, por ejemplo, con el tema del Prestige, una tonelada de residuo de fuel oil implicaba 10 toneladas luego en tierra, porque se mezcla con palos, con arena, al final con otro tipo de residuos que hace muy difícil su valorización. Entonces, si podemos retirar en el mar, estamos convencidos de que va a ser mucho más barato, no solo porque nos va a costar gestionar menor cantidad, sino porque además vamos a poder incluso hasta segregar y valorizar. Y como ha terminado diciendo el diputado, al final es todo esto poder desarrollarlo mediante un sistema experto, un sistema inteligente, una herramienta, como lo queramos, y un plan de actuación en todos estos aspectos que estamos señalando, en la modelización, en la vigilancia en tiempo real, en los sistemas de detección y paralización, la medida que podamos en los puntos de afluencia, en los sistemas de limpieza, para que las instituciones responsables de la gestión y mantener el entorno saludable y limpio puedan actuar de manera sistémica y consigamos no solo generar nueva actividad económica, sino además tener nuestros mares y nuestras costas mucho más saludables. Creo que es un buen ejemplo y creo que es de las que nosotros conozcamos de las primeras experiencias, y yo creo que la Unión Europea sí lo ha reconocido, de cómo hay una colaboración público-privada para afrontar un problema que hoy en día prácticamente nadie le estaba poniendo, pues como se suele decir, el cascabel al gato. Con lo cual, creo que debemos de felicitarnos todos y además felicitarnos tanto a Aquitania y Euskadi porque es un sitio donde vamos también a tener la mirada de Europa, de ver qué es lo que estamos haciendo, porque esto puede ser aplicable luego a otras zonas de Europa. Es quizás lo más significativo que podríamos destacar por nuestra parte. Gracias. Gracias. Pues a continuación tiene la palabra Jacques Béal, vicepresidente de Subrider Foundation Europe, una organización ciudadana que es todo un referente internacional en basuras marinas. Oui, bonjour, monsieur le député, messieurs les maires et messieurs les présidents des associations et des partenaires. Il faut savoir, d'abord, j'espère que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, puisque les problèmes des déchets plastiques en particulier, sont un des éléments fondateurs de l'association Surfrider Foundation Europe. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Surfrider est une association dont l'objet, la mission sociale, c'est la protection, la conservation, la gestion durable de la mer, de l'océan, du littoral, des vagues et des populations qui en jouissent à travers différents types d'actions. Et l'association, elle est venue d'une idée. L'idée de l'association a été une compétition, s'est produite lors d'une compétition de surf qui a eu lieu en 90 à Méniakos, en Biscaye. Et par faute de vagues, les surfeurs se sont retrouvés, des surfeurs plus ou moins professionnels, puisque c'était les meilleurs européens à l'époque, se sont retrouvés sur cette plage et sans vagues. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces 2 jours? Du coup, ils ont constaté que d'abord, il y avait beaucoup de déchets sur la plage et ailleurs. Et
ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, il y a eu toute l'idée de Surfrider est partie de là. Et dans l'année qui a suivi, elle a été créée, elle a été déposée en France. Et c'est devenu Surfrider Foundation Europe, qui a commencé à travailler sur la problématique des déchets flottants très vite, et du plastique en particulier. Donc, effectivement, comme disait M. Larousse, dans les années 80, vers le milieu des années 90-95, il y a eu beaucoup de déchets flottants qui sont arrivés sur les côtes de par du fait du problème qu'il y a eu en Corogne avec la décharge qui s'est affaissée en mer. Et ce qui a fait qu'il y a eu une prise en compte par les autorités à différents niveaux de ce problème-là. Mais il faut dire que le principal problème qui était identifié, c'était bien de protéger l'activité touristique. Donc, il y avait des gros nettoyages qui étaient faits en fin de printemps pour que les plages soient à peu près propres et ensuite pour que les touristes puissent venir se baigner et profiter des plages. Et nous, on a essayé de jouer notre rôle de lanceur d'alerte à ce moment-là en disant « Mais non, les surfeurs, ils vont à l'eau tout le temps, donc on est tout le temps confronté aux déchets plastiques. Donc ce n'est pas simplement un problème qu'il faut gérer quand il y a beaucoup de déchets sur les plages au printemps, mais il faut le gérer toute l'année. » Et donc notre principal défi à nous, c'était d'arriver à sensibiliser et de motiver les citoyens, mais aussi les autorités, sur cette problématique-là. Donc nous avons participé au premier... il y a eu des nettoyages spontanés qui sont faits à droite à gauche, mais globalement, ça a commencé vraiment en 1995 en France, sur une initiative du ministère de l'Environnement de l'époque. Et nous avons repris le flambeau en 1999, donc nous y avons participé, bien sûr, en 1995 et autres. Et en 1999... Entre 1999 et 2003, c'est devenu quelque chose que nous avons appelé les initiatives océanes, pour justement, dont le but principal était d'alerter toutes les parties prenantes, donc le public, les élèves des écoles, les industriels aussi, et les autorités, bien sûr, sur cette problématique-là. Donc petit à petit, nous avons changé nos méthodes, développé des outils, commencé à faire de la collecte, de catégoriser les collectes, c'est-à-dire de demander aux gens qui faisaient les collectes de quantifier le type de déchets et de noter les différentes catégories de déchets qu'il y avait, et d'avancer comme ça. Donc nous avons beaucoup d'expérience, puisque l'année dernière, nous avons fêté les 20 ans de ce programme de travail, et ça s'est enrichi fortement au fil du temps. Donc aujourd'hui, cet objectif principal, c'est de sensibiliser les citoyens, parce que pour nous, ces déchets, c'est une responsabilité collective. Ce n'est pas simplement un problème qui concerne les autorités et les pouvoirs publics, mais c'est aussi un problème qui concerne les consommateurs. Parce que selon les modes de consommation, on va générer plus ou moins de déchets, et donc on aura plus ou moins de déchets qui vont atterrir dans l'eau. Il faut savoir que, si je fais une petite aparté sur les déchets, je suppose que vous le savez tous, mais 80% des déchets qui sont en mer viennent de la terre, ça veut dire qu'ils viennent par les égouts, par les dépôts sauvages, par l'activité industrielle, par des problèmes de transport, les bateaux, par exemple, qui perdent des containers et autre chose, de diverses manières. Ensuite, il y a bien sûr l'activité marine qui entraîne des déchets. Donc ça veut dire les sacs plastiques qui sont sur les bateaux ou les filets de pêche ou d'autres choses. Mais en fait, l'immense majorité des déchets viennent quand même de la terre. Donc pour nous, l'enjeu essentiel, c'est de travailler à la source, comme ça a été dit. C'est-à-dire que si on ne change pas notre manière de voir les choses et de gérer nos déchets dans la société, on ne va pas y arriver. Parce qu'aujourd'hui, ces déchets qui sont en mer, si vous regardez les travaux qui ont été faits là-dessus, ils se fragmentent, ils deviennent de plus en plus petits, et il y a des zones dans les océans qui sont considérées comme... dans lesquelles il y a plus de déchets plastiques, de microparticules de plastique, que de plancton. Donc il y a des zones où il y a 6 fois plus de déchets plastiques que de plancton. Et les animaux marins, les poissons, se nourrissent de ça.
Donc, quelqu'un, je crois que c'est vous qui avez cité ça, en disant que les oiseaux, on trouve pas mal d'oiseaux avec des déchets plastiques. Je crois qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelques années qui montrait que dans l'Atlantique Nord, par exemple, je crois qu'il y avait 90% des oiseaux avaient un déchet plastique dans l'estomac. Donc, bon, c'est assez inquiétant. Il y en a certains qui l'utilisent pour faire des nids. Apparemment, ça fonctionne bien pour les nids. Mais bon, ce n'est pas leur rôle. Ils n'utilisent plus, du coup, les algues ou les autres supports naturels. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est que, bon, ça se dissout, ça interagit avec d'autres produits et ça rentre dans la chaîne alimentaire. Donc, aujourd'hui, les poissons que nous mangeons sont nourris avec du plancton plastique et des microparticules de plastique. Donc, ça, c'est pour nous un problème de fond. Donc, effectivement, il y a un enjeu très fort qui est celui de savoir de quoi on parle, donc de mesurer, de connaître les courants et d'agir d'une manière efficace, donc en identifiant les zones où ça se concentre et de comprendre les mécanismes, justement les modèles qui sont à la base de ces concentrations et ces dispersions de déchets. Mais il faut aussi agir sur la cause et donc sur les gestes de consommation. Donc c'est pour ça que notre programme s'est vraiment appuyé là-dessus et qu'ensuite, dans les années 2005-2006, on a commencé à mettre en place des programmes de sciences participatives et petit à petit, on a développé une expertise là-dessus. Donc, par exemple, depuis 2010, on applique un programme qui s'appelle le programme OSPAR, qui est un protocole qui a été défini par des scientifiques et qui permet à n'importe qui de faire une évaluation de déchets sur une zone. Donc nous, on essaye de garder ce protocole depuis, ça fait 5-6 ans maintenant, de l'appliquer sur les mêmes zones toute l'année pour justement mesurer l'évolution dans la saison, dans le temps des déchets. D'autre part, nous avons également depuis 3 ans travailler sur un autre programme sur la partie rivière pour évaluer où se situaient les différents déchets dans les rivières et de voir de la source d'une rivière jusqu'à l'embouchure quel type de déchets on trouve et comment ça évolue. Donc c'est un programme qui s'appelle Riverine Input, donc sur lequel nous avons des données. Le premier programme finit cette année, il y en a d'autres qui vont arriver. Et là-dessus, également, c'est relativement riche d'éléments d'appréciation. Tout ce travail que nous avons fait nous permet de faire du lobbying également auprès des institutions, c'est-à-dire d'arriver en disant, bon, voilà, nous avons identifié que tel déchet est problématique. Donc, il faudrait arriver à le traiter. Donc, pour vous donner, je vais vous donner 2-3 exemples de déchets. Il y en a un que nous avons constaté. Oui. D'accord. Je vous avais dit. Il y en a un que nous avions identifié, c'est les. D'accord. OK. Les cotons-tiges, par exemple, c'est un déchet qu'on trouve sur toutes les plages en France et certainement aussi en Ashkadi ou ailleurs. Alors, c'est étonnant parce que les cotons-tiges, ça sert à nettoyer les oreilles. Donc, pourquoi les gens les jettent dans les lavabos, dans les toilettes? Donc là, il y a vraiment un problème de prise de conscience du citoyen. Ensuite, il y a eu une période où c'était les médias filtrants. Les médias filtrants, ce sont des dispositifs qui sont utilisés dans les stations d'épuration pour qu'elles fonctionnent mieux et qu'elles puissent accepter beaucoup plus de gens. Donc, très bien, sauf que ces médias filtrants sont rejetés dans le milieu. Donc là, il y a un problème. On met en place des processus industriels et derrière, on ne fait pas le boulot jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne pense pas du devenir de ces produits qui deviennent des déchets aussi, une fois qu'ils sont rejetés dans le milieu. Et troisième cas qui nous inquiète beaucoup plus, c'est que par exemple, dans la cosmétique aujourd'hui et dans différents procédés industriels, on utilise des microbilles de plastique. Et donc là, il y a un réel problème parce que ceux-là, vous ne les verrez pas, les touristes ne les verront pas, et on sera incapable de les enlever. Donc il faut empêcher de les mettre dans le milieu. Et nous, tout notre travail que nous faisons auprès des différents gouvernements, en particulier français, parce que nous sommes fortement présents dans les institutions françaises, mais aussi au niveau européen, c'est d'essayer de leur faire changer les lois, et justement que les gens qui ont des idées innovantes comme ça, ils anticipent sur les conséquences de leurs actes. Et typiquement, les 2 ou 3 exemples que je vous ai donnés sont des bons leviers, justement, pour faire bouger les choses. Et au lieu d'attaquer le plastique en général, ce qu'on est obligé de faire quand on doit collecter les déchets,
au lieu de les attaquer d'une manière générale, on préfère cibler, par exemple, les sacs plastiques à usage unique qu'on a fait interdire en France depuis cette année. Au niveau européen, il y a également aussi des choses qui bougent de ce côté-là. Maintenant, c'est les microbilles dans les cosmétiques sur lesquelles on bataille beaucoup pour avancer. Donc tout ça, il faut arriver à le faire. Mais nous sommes bien sûr présents et reconnus au niveau européen également pour notre expertise dans ce domaine, puisque ça fait 20 ans que nous traînons sur les plages pour ramasser, pour essayer de voir ce qui se passe et d'identifier quels sont les problèmes. Donc nous sommes tout à fait partie prenante et prêts à travailler sur ce programme, parce que justement, c'est ce que nous essayons de faire dans d'autres domaines, et du coup, nous soutiendrons ça avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous remercie. Muchas gracias, Jack. Me estaba costando cortarle porque realmente yo creo que es lo que más le puede llegar o interesar al ciudadano de todo esto, ¿no? Son mensajes claros. Y finalmente damos la palabra a Panchika Otegui de Rivas Protect, del Grupo Suez, que es, bueno, creo, nuestro socio tecnológico por la parte de Iparralde. Egunon, eskerrik asko gomitatzeagatik proiektu untan. Rivage Protect, c'est le cockpit opérationnel de Suez aux France pour la qualité du milieu naturel et en particulier la qualité du milieu littoral. Nous travaillons avec les collectivités d'Iparralde main dans la main depuis 10 ans sur le sujet de la qualité des eaux de baignade, en ayant mis en place en particulier des modèles de prévision de la qualité des eaux, donc des modèles qui permettent de prévoir, comme les modèles météo, hein, la qualité des eaux de baignade dans lesquelles on va se baigner dans les heures à venir et qui permettent aux collectivités de prendre les décisions d'ouverture et de fermeture des plages. Donc le sujet des déchets flottants nous intéresse naturellement depuis de nombreuses années. Notre participation dans le projet LEMA va être essentiellement technologique, effectivement, et nous allons travailler en partenariat avec ASTI, avec qui nous travaillons aussi d'un point de vue opérationnel et technique depuis 10 ans. L'océan sur la côte basque n'a pas de frontière entre Egoalde et Iparralde, et donc nous avons entretenu une collaboration technique fructueuse sur le secteur, et nous sommes heureux de pouvoir mettre au service de ce projet l'expertise qu'on a développée ensemble. Donc au point de vue détection, on va commencer par travailler sur des détections à la fois au large avec des tests technologiques sur la détection de déchets flottants par drone, puis pour les apports terrestres, l'installation de caméras vidéo, effectivement, et le traitement de données sur les rivières, puisque comme ça a été déjà très largement évoqué, la source des déchets flottants vient essentiellement de terre. Donc l'objectif, ça va être pour nous de mettre en place un système d'alerte opérationnel en temps réel d'arrivage des déchets à la côte. Donc l'idée, ça va être d'alerter les collectivités territoriales d'un arrivage de déchets de manière à pouvoir organiser un ramassage le plus efficace possible. Donc nous allons étudier et mettre en place des modèles en temps réel à la fois de la dispersion de ces déchets flottants, une fois qu'on aura identifié leur arrivée, mais aussi pour identifier les zones de focalisation et d'accumulation privilégiées en mer, comme certains tourbillons ou certains courants, comme l'a évoqué Albert Larousse tout à l'heure, avec effectivement l'inversion du courant de Navidas. Donc l'idée, ça va être vraiment d'identifier les conditions océano-météorologiques dans lesquelles il faudra mettre en place une surveillance renforcée et des opérations de ramassage à haute fréquence pour essayer de ramasser plus de déchets et d'optimiser le coût de ces opérations de ramassage. Donc la préservation du milieu marin littoral est une priorité pour nous, non seulement pour l'enjeu d'attractivité du territoire, mais surtout pour l'héritage que nous allons laisser aux générations futures. Donc Rivage Protect est très heureux d'avoir l'opportunité d'apporter sa pierre à l'édifice dans le cadre de ce projet LEMA. Et donc on remercie l'Union européenne d'avoir
donner accès à ce projet dans le cadre d'une collaboration publique-privée qui permet de faire suite effectivement à un esprit de collaboration qui date de plus de 10 ans. Merci. Pues muchas gracias a todos por la explicación. No sé si nos queda algún medio por ahí, que hay algún interés, alguna pregunta por parte de los medios, y si no, damos por finalizado. Pues damos por finalizado el acto, ¿eh? Y bueno, pues nada, larga vida al consorcio y... sí.